Pourquoi il faut les appeler des pantoufles? C'est un chat mort sur tes pieds! L'impro, ça représente un petit peu qui je suis, parce que, tu sais, c'est francophone, puis moi, je suis une fière franco-manitobaine ici, donc la francophonie, c'est une partie de qui je suis. Puis de l'impro, j'aime ça, les arts de la scène, le théâtre, la danse, tout ça. Donc oui, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Plutôt, on cherche pour faire certain que les improvisateurs, ils continuent l'histoire, ils additionnent à l'intrigue, et puis qu'ils bloquent pas les nouvelles idées de toutes les personnes qui rentrent. Catégorie libre, durée 2 minutes 30, opération. Bien, ça fait un bel événement. C'est toujours motivant pour nos jeunes parce que, bien, justement, nous autres, on est relativement isolés dans notre endroit. On n'a pas vraiment d'école à moins de 2 heures de distance de route de nous. Et ça donne une opportunité aux jeunes de pouvoir justement se mélanger et voir que la francophonie, c'est à la grandeur de la province et non juste dans notre petit village un peu perdu. Excusez. Je suis un petit peu fatiguée, là, parce que de l'impro, ça prend gros de l'énergie, là. C'est ma première fois être juge pour la liste. J'ai joué dans la liste quand j'étais plus jeune, il y a au-dessus de 20 ans. Et puis, c'est un honneur, c'est un grand honneur d'être capable de revenir ici et puis voir l'intérêt dans la francophonie et puis voir les joueurs extraordinaires de l'improvisation. Continue à jouer jusqu'à temps que je gradue, puis peut-être dans la lune dans le futur, on sait pas. T'aimes ça? Oui, beaucoup.